demi-finale de Télégénie 2018. Samy de Gonzague, collège Catherine Flon. Mesdames et messieurs, dans quelques instants, ces deux établissements scolaires vont s'affronter sur le plateau de la télévision nationale d'Haïti pour la gloire et pour l'honneur. Merci à nos partenaires. Et là, je cite la World Vision, Surtap, Mode 31, Crésistor et l'ONA, l'Office National Assurance Vieillesse. Merci et bravo à toute l'équipe de la télévision nationale d'Haïti. Merci de votre support et merci aux téléspectatrices et aux téléspectateurs qui accompagnent la réalisation de ce grand jeu éducatif de la chaîne de services publics. Et pour lancer ce nouveau numéro, mesdames et messieurs, nous allons, comme à l'accoutumée, saluer notre bicolore. Merci d'adopter la position verticale. Merci, rassoyez-vous. J'appelle sans plus tarder le capitaine du collège Catherine Flon, que je vous demande d'applaudir, s'il vous plaît. Le capitaine du collège Catherine Flon. Voilà, il est là. Faisons appel maintenant au capitaine de l'institution Saint-Louis de Gonzague. Sous vos applaudissements. Fait. Alors, le nom, c'est monsieur Edouard. Le nom complet. Edouard Ricardo. Ricardo, Edouard. Ricardo, ça te dit quoi de jouer ce match aujourd'hui à Télégénie 2018? C'est un match à envisager. Nous visons gros, quoi que l'adversaire soit gros, on espère la victoire. Vous espérez la victoire. Et là, vous êtes plus que motivé au niveau du collège Catherine Flon. Exactement. Très motivé pour ce match. Voilà. Alors, et un petit mot pour les supporters du collège Catherine Flon. Soyez patients et confiants. Soyez patients. Et c'est bon. Maintenant, un message pour les jeunes d'Haïti. Pensez pour agir mieux demain. Pensez pour agir mieux demain. On applaudit Ricardo Edouard, le capitaine du collège Catherine Flon. Parfait. C'est bon. Ça va bien? Oui, ça va bien. Le nom déjà? José Adonija. Adonija, ça te dit quoi de jouer ce match à Télégénie 2018? Et pour nous, c'est une fierté parce que c'est une étape importante et nous sommes très heureux d'être ici. Vous êtes? Très heureux d'être ici. Très heureux. Motivé, non? Oui, très motivé. Très motivé. Un message pour les supporters de l'institution Saint-Louis Gonzague? Bien, je tiens à les remercier de leur présence. Ils sont venus en demi-foule aujourd'hui, c'est très bien. Et je leur dis que, disons, je leur demande d'être avec nous pour ce match et de nous supporter jusqu'au bout. Un message pour les jeunes d'Haïti. Et je leur dis encore une fois que l'avenir c'est eux. Et comme l'a dit mon adversaire, il faut mieux penser pour agir et vont penser pour mieux agir demain. Voilà le capitaine de l'institution, Saint-Louis Gonzague. On va procéder
Le tirage au sort. Vous êtes prêts, messieurs? Voilà. Après tirage au sort, le collège Catherine Flon est équipe A, l'institution Saint-Vite Gonzague équipe B. Catherine Flon équipe A, Saint-Louis de Gonzague équipe B. Et là on va lancer le match. Et ce soir nous avons avec nous Jean-Jeff Lefebvre. Il sera le seul à mener la rencontre du jour. On applaudit Jean-Jeff Lefebvre. Voilà. Merci public. Merci, merci. Soyez les bienvenus, téléspectateurs, téléspectatrices de la Télévision nationale d'Haïti, à ce nouveau numéro de Télégénie version 2018. Nous sommes dans les demi-finales. Le match de ce soir va opposer le collège Catherine Flon à l'institution Saint-Louis de Gonzague. Quatre équipes ont été qualifiées pour les demi-finales. Collège Catherine Flon, Saint-Louis de Gonzague, lycée national de Pétionville et le centre d'études Lumière. De ce carré-là sortiront deux équipes qui vont s'affronter en finale. Nous allons voir laquelle de ces deux équipes du match de ce soir va être qualifiée pour la grande finale de Télégénie version 2018. Sans tarder, nous appelons rapidement l'équipe A, le collège Catherine Flon, pendant que vous, public, vous les accueillez, vous les félicitez. Voilà. Voilà. Ah ben là, ils sont déjà sur le ring du savoir, le ring de la connaissance. Et à présent, nous appelons l'équipe B, l'institution Saint-Louis de Gonzague. L'institution Saint-Louis de Gonzague. Merci, 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 merci. Merci. Ça va être la deuxième confrontation de ces deux équipes, Catherine Flon et Saint-Louis de Gonzague. Lors de la première confrontation, c'est Saint-Louis de Gonzague qui a eu raison du collège Catherine Flon. Donc, et là, maintenant, nous sommes en demi-finale. Est-ce que ça a un goût de revanche, cette confrontation-là? Est-ce que l'histoire va être rééditée, hein? Est-ce que le même cas de figure du premier match va être répété? On va le savoir à l'issue de cette rencontre qui oppose, comme vous le voyez, ces deux belles équipes, hein, provenant de ces deux établissements scolaires, Saint-Louis de Gonzague, collège Catherine Flon. Vous êtes équipe B, donc je commence avec les présentations régulières avec Saint-Louis de Gonzague. Donc le capitaine va procéder à la présentation de ses coéquipiers rapidement. Bonsoir tout le monde. Je suis José Adoninja. Avec moi, il y a Myrtil Makandi, Joseph Olson, Jevois Patrice et Laguerre Oudi. Voilà, tout le monde est là. Pas de panique, pas de stress. Non. Avec quel état d'esprit est-ce que vous abordez cette demi-finale? Et nous sommes sereins et préparés. Voilà, voilà. Vous attendez à une belle victoire ce soir? Si Dieu le veut. Pourquoi pas? Voilà, merci public. Merci d'applaudir Saint-Louis de Gonzague. Et voilà, l'équipe A, rapidement. Capitaine, merci de nous présenter tes coéquipiers. Bonsoir. Bonsoir. Sur le plateau, j'ai avec moi Notice Mike, Jean-Baptiste Benayel, Chéri Jagadi, Stanley Morisseau et moi, Ricardo Edouard. Sur le banc, on a Romain Evans et Belfort Emmanuel. Voilà, tout le monde est là, capitaine. Exactement.
Donc ça va être la revanche hein, ce soir. Exactement. Exactement. Vous attendez ça? Eh, hey, ça promet. Ça promet. Ça promet, téléspectateurs. Collège Catherine Flon, Saint-Louis de Gonzague, sans tarder, nous allons démarrer avec la rencontre de ce soir. Et comme vous le savez déjà, peut-être, probablement, nous commençons toujours avec les questions de sigle. Comptez sur 40 points. Et la première question de sigle va être adressée à l'équipe A, le collège Catherine Flon. Alors, que signifie le sigle SHA? S-H-A-A. Société haïtienne d'agriculture. Comment? Société haïtienne d'agriculture. Malheureusement, est-ce que Saint-Louis de Gonzague veut tenter quelque chose? Non. On garde ça pour tout de suite. Alors, ça va être votre question. Que signifie SOFIDES? S-O-F-I-H-D-E-S. Société financière haïtienne de développement social. Comment? De développement économique et social. Comment? Société financière haïtienne de développement économique et social. Économique et? Social. Social. 40 points à Saint-Louis de Gonzague. Alors, SHA, pour la SHA, c'était Société haïtienne d'aide aux aveugles. Voilà, c'était ça. Nous sommes à présent dans la catégorie des questions de sciences, trois disciplines, mathématiques, chimie, sciences économiques et sociales. Les mathématiques d'abord, nous sommes avec le collège Catherine Flon, l'équipe A, en géométrie euclidienne. C'est une transformation qui multiplie toutes les distances par une constante fixe appelée son rapport. L'image de toute figure par une telle application est une figure semblable, c'est-à-dire intuitivement de même forme. De quoi s'agit-il? Homothétie. Comment? Homothétie. Non. Translation. Non plus. Projection. Comment? Projection. Malheureusement. Est-ce que Saint-Louis de Gonzague a la réponse? Non, on garde ça pour tout de suite. En mathématiques, ce sont des tableaux de nombres qui servent à interpréter en termes calculatoires et donc opérationnels les résultats théoriques de l'algèbre linéaire et même de l'algèbre bilinéaire. Toutes les disciplines étudiant des phénomènes linéaires les utilisent. À quoi fait-on référence? Je reprends. En mathématiques, ce sont des tableaux de nombres qui servent à interpréter en termes calculatoires et donc opérationnels les résultats théoriques de l'algèbre linéaire et même de l'algèbre bilinéaire. Toutes les disciplines étudiant des phénomènes linéaires les utilisent. À quoi fait-on référence? Matrices. Les matrices! 30 points à l'institution Saint-Louis de Gonzague. Et pour vous, c'était la similitude. Voilà, similitude. Deuxième question de science pour collège Catherine Flon, nous sommes en chimie. Elle désigne une quantité matérielle ou non de très petite masse et de très petite dimension considérée dans les transformations de la matière. De quoi veut-on parler? Vous venez. Elle désigne une quantité matérielle ou non de très petite masse et de très petite dimension considérée dans les transformations de la matière. De quoi veut-on parler? Les quarks? Non. Bosons? Non plus. Particules? Les particules! Voilà. 30 points au collège Catherine Flon. Et là, nous poursuivons avec Saint-Louis de Gonzague. Quel nom donne-t-on à une entité chimique capable de perdre des électrons? Quel nom donne-t-on à une entité chimique capable de perdre des électrons? Métal? Non. Proton? Non plus. Un ion?
Malheureusement, de ce côté, est-ce qu'on a la réponse? Est-ce qu'on veut essayer quelque chose? Oui ou non? Non. Non, merci. Eh bien, je vous donne la réponse, c'était réducteur. Voilà. Nous sommes à présent en sciences économiques et sociales. Question pour vous, collège Catherine Flon. C'est une mesure des richesses créées dans un pays donné et pour une année donnée. Schématiquement, on le calcule en faisant la somme des valeurs ajoutées dans le pays. De quoi parle-t-on? C'est une mesure des richesses créées dans un pays donné et pour une année donnée. Schématiquement, on le calcule en faisant la somme des valeurs ajoutées dans le pays. De quoi parle-t-on? Le PIB. Le produit intérieur brut. Merci. C'est une mesure de développement construite par le programme des Nations Unies pour le développement. De quoi parle-t-on? C'est une mesure de développement construite par le programme des Nations Unies pour le développement. IDH. Comment? IDH. L'indice de développement humain, l'IDH. Bien répondu. Voilà. Question d'actualité à présent. Comptez sur 60 points. Alors, chacune des questions est comptée sur 30 points. Donc, l'ensemble des questions d'actualité est sur 60 points à gagner pour les questions d'actualité. Dans le cadre de l'enquête sur l'ingérence présumée de la Russie lors de la campagne de l'élection présidentielle américaine, la commission sénatoriale du renseignement a poursuivi au cours de cette semaine ses auditions en convoquant l'ancien directeur de la CIA. Donnez le nom de cet ancien directeur qui a dirigé la CIA de 2013 à 2017. Mike Pompeo. Non. Robert Mueller. Comment? Robert Mueller. Non plus. Voilà, le temps imparti est écoulé. Est-ce que l'équipe adverse a la réponse? Non. On communiquera ça tout de suite. Dans ce même registre, la commission sénatoriale du renseignement avait aussi convoqué l'ancien directeur de la NSA. Il avait dirigé la NSA de 2014 à 2017. Quel est son nom? Dans ce même registre, la commission sénatoriale du renseignement avait aussi convoqué l'ancien directeur de la NSA. Il avait dirigé la NSA de 2014 à 2017. De qui parle-t-on? Robert Mueller. Non. Jeff Stewart. Non plus. Gina Haspel. Malheureusement. Est-ce que l'équipe adverse veut essayer? Non. Alors la première réponse c'était John Brennan. Et la seconde, Mike Rogers ou Michael Rogers. Voilà, actualité nationale à présent. Question pour vous, collège Catherine Flon. À l'occasion de la fête de Saint-Yves, patron des avocats, le barreau de l'ordre des avocats de Port-au-Prince a organisé samedi, ce samedi 19 mai 2018, plusieurs activités, dont une conférence scientifique. Donnez le thème de cette conférence. L'intervention armée dans un État constitue-t-elle une négation du principe de la souveraineté? Malheureusement, non. Est-ce que l'équipe adverse voudrait essayer? Non. Je reviens sur la réponse tout de suite. Votre question à présent. Le jeudi 17 mai marque la journée mondiale de l'hypertension artérielle. La Fondation haïtienne de diabète et de maladies cardiovasculaires, FADIMAC, a tenu différentes activités pour marquer cette date, donner le thème autour duquel cette journée a été célébrée en Haïti. Le jeudi 17 mai marque la journée mondiale de l'hypertension artérielle. La Fondation haïtienne de diabète et de maladies cardiovasculaires a tenu différentes activités pour marquer cette date, donner le thème autour duquel cette journée a été célébrée en Haïti. Une pensée pour éviter tension axique. Non. Intelligent, hein? Voilà, le temps est parti, est écoulé. Est-ce que vous laissez? Non. Alors, votre réponse était l'impact de la qualité des décisions de justice sur l'investissement. Réserve. Et puis pour vous, c'était réserve du côté du collège Catherine Flon. Pour vous, c'était chercher qu'on ait tension. Voilà. Voilà, à présent,
Amis téléspectateurs, nous sommes dans la catégorie des questions de sport. Comptez sur 30 points chacune. Collège Catherine Flon, cet international haïtien vient de signer son premier contrat professionnel en paraffant au FC Lorient pour une saison, d'après ce qu'a indiqué le club sur son site officiel jeudi dernier. De quel joueur parle-t-on? C'est un joueur qui vient de signer au FC Lorient, donc c'est le site officiel du club qui a annoncé la nouvelle. Donc, de quel joueur haïtien parle-t-on? Les 10 secondes sont écoulées, on a la réponse non. Prêté par l'équipe belge, le Cercle Bruges, avec laquelle il a un contrat de 2 ans. Ce footballeur haïtien qui a passé l'intégralité de cette saison à l'AJ Auxerre pourrait s'engager définitivement avec ce club pour les 4 prochaines années. Selon le journal français L'Équipe, à quel joueur fait-on allusion? C'est un joueur qui vient de signer un contrat professionnel de 4 ans chez AJ Auxerre. De qui s'agit-il? Reginald Goué? Non. Les 10 secondes des parties sont écoulées. On a la réponse de ce côté? Non. Non. Alors, pour vous, c'était Stéphane Lambez qui va jouer au FC Lorient cette saison. Et puis, pour vous, c'était Karlens Arcus qui jouera chez les professionnels de AJ Auxerre. Question d'histoire à présent, comptez sur 50 points. La première question, elle sera adressée à l'équipe A, le collège Catherine Flon. Il a été la première personnalité à occuper la fonction de premier ministre en Haïti, bien entendu. Précisez son nom. Marcel Célestin. 50 points. Voilà. Donnez le nom du président qui avait nommé Martial Célestin premier ministre. Leslie François Saint-Roch Maniga. Bien répondu. Alors, question de géographie, comptez sur 50 points. Nous nous adressons à l'équipe A. Identifiez pour nous cette commune d'Haïti. C'est une commune d'Haïti dans le département, située dans le département du Nord et de l'arrondissement de Saint-Raphaël. La commune est située à une 50aine de kilomètres de la ville portuaire de Cap-Haïtien. Elle est composée des sections communales de Bacassoud, Bois de Lens, Cracaraï. Quelle est cette commune? Rinkit. Comment? Rinkit. Rinkit, c'est la bonne réponse. Non. Saint-Louis de Gonzague, identifiez pour nous cette commune d'Haïti. Elle est située dans le département du Nord-Est. Elle fait partie de l'arrondissement de Vallières. Elle est composée des sections communales de Sanssouci, Bois-Laurence. De quoi parle-t-on? De quelle commune parle-t-on? Mon bain crochu. Mon bain crochu. Ouais. Ça alors, hein? Vous connaissez en géographie, hein? En histoire et en géographie. Mais félicitations, mais c'est sur cette note que nous allons devoir mettre un terme à la première manche de cette rencontre assez intéressante qui oppose le Collège Catherine Flon à l'institution Saint-Louis de Gonzague. Nous allons revenir après la pause. Vous aimez la mode? Vous voulez être toujours sur votre 31? Je vous présente Mode 31. Mode 31 prêt-à-porter offre tout un assortiment de vêtements et d'accessoires de grande classe, de style européen, américain et haïtien pour femmes, hommes et enfants. C'est la boutique d'où le client ne revient jamais bredouille. Les prix sont abordables et les produits sont de qualité. De plus, un service à la clientèle efficace est disposé à vous servir et vous orienter.
Visitez notre boutique du lundi au samedi de 8h30 AM à 6h30 PM et le dimanche de 10h30 AM à 2h30 PM à Delma 33 numéro 56 en face de Saint-Louis de Gonzague. Ou appelez-nous au 34 00 31 31 42 31 31 31. Ou encore abonnez-vous à Mode 31 sur Facebook, Twitter ou Instagram. Mode 31 pour être toujours sur votre 31. Cassandra, Julia, Jessica, c'est trois jeunes étudiants qui gagnent pile passion pour musique, surtout pour rap et compas. Trois jeunes mesdames, ça y est, gagnent habitude, marcher dans la rue avec téléphone, casse aux oreilles, chat avec amis, sans pas avoir aucune attention avec monde qui est dans l'environnement. Cassandra, Julia, Jessica, pas de jambes penser un jour, avec mal qui t'a arrivé dans la vie. Voilà. Est-ce que vous même tout pensez à conséquences ça a gagné sur la vie ou? L'on choisit utiliser téléphone n'importe qui façon pendant la rue. On ne suspend mauvaise habitude ça yo pendant à utiliser téléphone. Si un message Radio Télévision Nationale d'Haïti avec Zoom Entertainment. Merci de nous retrouver, chers téléspectateurs, téléspectatrices, pour la seconde manche de cette rencontre qui oppose l'institution Saint-Louis de Gonzague au collège Catherine Flon dans le cadre des demi-finales de la saison 2018 de Télé-Génie. Voilà, nous allons démarrer avec la catégorie des questions de capital et monnaie. C'est un point cash pour vous. C'est assez facile, les questions de capital et monnaie. Voilà, nous nous adressons à l'équipe A, le collège Catherine Flon, qui va répondre à la question suivante. Quelles sont la capitale et la monnaie de Tanzanie? Dodoma. Dollar de Tanzanie. Non. Franc CFA. Non. Dodoma, c'est bon. Voilà. Est-ce que vous connaissez la monnaie de la Tanzanie? Oui. Ouais. Shilling tanzanien. Ouais, bien répondu. Alors, voilà. Merci, merci public. Voilà, c'est 20 points pour Catherine Flon, 10 points pour Saint-Louis de Gonzague. Votre question à présent, quelles sont la capitale et la monnaie de Malawi? Malawi, Lilongwe, Kwacha malawien. Voilà. Lilongwe Kwacha. 40 points. 40 points à l'institution Saint-Louis de Gonzague. Catégorie des questions d'invention à présent, comptez sur 40 points. Alors, nous sommes dans la catégorie des questions d'invention. La première question, elle sera adressée à l'équipe A. Le collège Catherine Flon. De quel inventeur parlons-nous ici, collège Catherine Flon? Il est né le 23 juin 1859, décédé le 25 août 1940. En 1891, il invente le pneumatique démontable pour les bicyclettes, système qu'il adapte à l'automobile. En 1894, c'est le père du célèbre bibendum Michelin qui décore des millions de véhicules dans le monde. De qui s'agit-il? Édouard Michelin. Édouard Michelin, 40 points au collège Catherine Flon. Et votre question à présent, c'est un Écossais, il est né le 23 septembre 1756 et mort le 26 novembre 1836. Il est l'inventeur du macadam. Il fut le premier à mettre en œuvre le système de revêtement des routes à l'aide de pierres cassées que l'on appelle le macadam. Donnez son nom complet. Gottlieb Daimler. Comment? Gottlieb Daimler. Non. Voilà, les 10 secondes des parties sont écoulées. Est-ce que Catherine Flon voudrait tenter quelque chose? John McAdam. Comment vous avez dit? John McAdam. John McAdam. 20 points au collège Catherine Flon.
20 points au collège Catherine Flon. Nous sommes à présent dans la catégorie art et culture. Agriculture, question pour vous, question comptée sur 50 points, question pour Collège Catherine Flon. C'est un mouvement artistique qui trouve son origine en Italie, dans des villes telles que Rome, Mantoue, Venise et Florence, dès le milieu du 16e siècle et qui se termine au milieu du 18e siècle. Touchant tous les domaines, il se caractérise par l'exagération du mouvement, la surcharge décorative, les effets dramatiques, la tension, l'exubérance, la grandeur parfois pompeuse et le contraste. À quel mouvement artistique fait-on référence? Le baroque. Le baroque. 50 points. Alors, question pour vous, Saint-Louis de Gonzague. C'est un genre littéraire en vogue au XVIIe siècle. Il est caractérisé par l'emploi de termes comiques, familiers, voire vulgaires, pour évoquer des choses nobles et sérieuses. De quoi parle-t-on? Je reprends. C'est un genre littéraire en vogue au XVIIe siècle. Il est caractérisé par l'emploi de termes comiques, familiers, voire vulgaires, pour évoquer des choses nobles et sérieuses. De quoi parle-t-on? Le burlesque. Le burlesque. 50 points. Voilà, question de technologie à présent. Comptez sur 50 points. De quoi parle-t-on ici? Parfois appelé cybercarnet ou bloc-notes, c'est un type de site web ou une partie d'un site web utilisé pour la publication périodique et régulière d'articles personnels, généralement succincts, rendant compte d'une actualité autour d'un sujet donné ou d'une profession. À la manière d'un journal intime, ces articles ou billets sont typiquement datés, signés et se succèdent dans un ordre antéchronologique, c'est-à-dire du plus récent au plus ancien. De quoi parle-t-on? Parfois appelé cybercarnet ou bloc-notes, c'est un type de site web ou une partie d'un site web utilisé pour la publication périodique et régulière d'articles personnels généralement succincts, rendant compte d'une actualité autour d'un sujet donné ou d'une profession. À la manière d'un journal intime, ces articles ou billets sont typiquement datés, signés et se succèdent dans un ordre antéchronologique, c'est-à-dire du plus récent au plus ancien. De quoi parle-t-on ici? Blog. C'est le blog. 50 points. Saint-Louis. Il s'agit d'un guide d'apprentissage du type tutorat permettant d'aider l'utilisateur novice à se former de manière autonome à l'utilisation d'un logiciel, à un langage de programmation ou à des jeux interactifs, désormais généralisés, et s'est étendu à toutes sortes d'activités comme le bricolage, l'automobile, la photo, la vidéo, le jardinage, les loisirs créatifs, etc. De quoi parle-t-on? Un tutoriel. Le tutoriel. 50 points. Voilà, voilà, amis téléspectateurs, match assez intéressant jusque-là. Nous allons passer à une nouvelle catégorie, la catégorie des questions individuelles. Une seule personne répondra à nos questions. Voilà, catégorie des questions individuelles. Qui va répondre pour le collège Catherine Flon? Belfort Emmanuel. Belfort Emmanuel. Belfort, nous sommes en philosophie. Comment désigne-t-on la position de celui qui n'affirme ni ne nie l'existence de Dieu, car il considère que la raison humaine ne nous le permet pas? Agnosticisme. Comment? Agnosticisme. Voilà, bien répondu. C'est l'agnosticisme. On passe à... Joseph Olson. Joseph, pour Saint-Louis de Gonzague, comment appelle-t-on le fait d'affirmer quelque chose de manière catégorique, péremptoire et sans recul?
Comment appelle-t-on le fait d'affirmer quelque chose de manière catégorique, péremptoire et sans recul? Certitude? Non. Déterminisme? Non plus. Est-ce que Belfort voudrait tenter quelque chose? Non. Non. Eh bien, la réponse... C'était... On parlait du dogmatisme. Ouais. On parlait du dogmatisme. Œuvre et auteur. Qui répond? Édouard. Édouard, œuvre et auteur. Précisez pour nous, Édouard, le titre de chacun des deux romans de l'écrivain haïtien Léon Lalo. Les 10 secondes imparties sont écoulées. Est-ce que l'équipe adverse voudrait essayer? Non. Non. Je garde ta réponse pour tout de suite. Qui répond pour Saint-Louis de Gonzague? Charles. 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 Donne-nous le titre de chacun des deux romans de l'écrivain haïtien Idriss Saint-Amand. Voilà, les 10 secondes des parties sont écoulées. Pour vous, c'était le choc et la danse des vagues. Pour vous, c'était Mon Dieu rit, le vent de janvier. Voilà. Nous sommes en citation à présent. Question de citation. Qui répond pour Collège Catherine Flon? Question de citation, comptez sur 50 points. Qui répond? Maurice Stanley. Stanley. Tu vas permettre au Collège Catherine Flon d'approcher 50 points, c'est ça? Oui. Oui. Alors, de qui est cette citation? Ce qui me bouleverse, ce n'est pas que tu m'aies menti, c'est que désormais, je ne pourrai plus te croire. Ce qui me bouleverse, ce n'est pas que tu m'aies menti, c'est que désormais, je ne pourrai plus te croire. Alphonse de Lamartine? Non. Victor Hugo? Non plus. Albert Einstein? Malheureusement, le temps est parti à t'écouler. Tu veux tenter quelque chose? Non. Non, non. Pas question. Il y a plus de choses naufragées au fond d'une âme qu'au fond de la mer. Il y a plus de choses naufragées au fond d'une âme au fond de la mer. De qui est cette citation? Victor Hugo. Victor Hugo! 50 points. Et pour vous, c'était... Pour Catherine Flon, c'était Friedrich Nietzsche. Voilà. Calcul mental. Calcul mental à présent, s'il vous plaît. Calcul mental, nous sommes dans les séries numériques. Vous connaissez les séries numériques, hein? On va voir. Qui répond pour Collège Catherine Flon? Jean-Baptiste. Jean Gardy. Voilà. OK. Jean Gardy, tu vas remplacer X par le nombre manquant. Tu comprends bien ça? Tu vas remplacer X par le nombre manquant dans cette série. La série, c'est 2, X, 4, 12, 48, 240. Vous venez? 2, X, 4, 12, 48, 240. 3? Non. 4? Non plus. 6? Malheureusement. Tu vas faire la même opération, remplacer X par le nombre manquant dans la série suivante. 18, 26, 34, 42. 50. 50. Bien répondu.
Question de connaissance générale. Merci, public, merci. Nous jouons en connaissance générale. Question pour... Chéri Jean Gardi. Comment? Chéri Jean Gardi. Gardi. Ouais. Connaissance générale. Un ensemble de fortifications des villes de l'ancienne Russie, abritant à la fois les infrastructures militaires, les centres de pouvoir et les lieux de culte. Cet ensemble de fortifications avait une dimension défensive, spirituelle et politique. De quoi veut-on parler? C'est un ensemble de fortifications des villes de l'ancienne Russie, abritant à la fois les infrastructures militaires, les centres de pouvoir et les lieux de culte. Cet ensemble de fortifications avait une dimension défensive, spirituelle et politique. De quoi veut-on parler? Moscou? Non. Le Kremlin? Comment? Le Kremlin? Comment? Kremlin. Je n'ai pas entendu. Qu'est-ce qu'il a dit, public? Kremlin. Comment? Kremlin. C'est le Kremlin. Bonne réponse. Voilà, question pour vous, Saint-Louis de Gonzague. C'est un bâtiment qui se trouve à Arlington, en Virginie, près de Washington, la capitale fédérale des États-Unis. Cet édifice abrite le quartier général du département de la Défense. De quoi veut-on parler? La CIA? Non. La NSA? Non plus. FBI? Malheureusement. Est-ce que tu veux tenter? Non. Non. C'était facile, hein? Le Pentagone. Ouais. Voilà. Question éclair. Comptez sur 10 points. Nous sommes revenus, téléspectateurs, dans la catégorie des questions collectives. Question éclair pour vous, Collège Catherine Flon. Précisez le nom du président de la commission éducation à la Chambre des députés. Jean-Étienne. Non. Est-ce qu'on a la réponse? Non. Non. Alors, pour vous, précisez le nom du président de la commission éducation au Sénat. Denis Cadeau. Denis Cadeau. 10 points. Voilà. À présent, téléspectateurs, nous allons aborder la toute dernière catégorie de ce match, hein, la dernière catégorie de questions. Vous le connaissez déjà, il s'agit des questions à risque. Si les équipes prennent le risque de répondre, et s'ils répondent bien, si elles répondent bien, elles auront 60 points. Si elles ne répondent pas bien, elles perdront 60 points. Voilà, catégorie des questions à risque. Il faudra être très attentif parce que je ne vais pas reprendre. La question va être longue, donc c'est pour vous faciliter la réponse, c'est pour vous donner un maximum d'indices pour pouvoir répondre à la question. Questions à risque pour le Collège Catherine Flon. C'est un genre musical originaire du sud des États-Unis, créé à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle au sein des communautés afro-américaines. Avec plus de 100 ans d'existence, il recouvre de nombreux sous-genres marqués par un héritage de la musique euro-américaine et afro-américaine et conçu pour être joué en public. Il émerge à partir d'autres genres musicaux dont le ragtime, la marche, le negro spiritual et le blues et comporte des caractéristiques telles que l'utilisation fréquente de l'improvisation, de la polyrythmie, de la syncope, du shuffle, du scat et des notes blues. En route, il emprunte de nombreux éléments de la musique populaire américaine et à la tradition des brass bands, the brass band. Il est couramment associé aux cinq instruments emblématiques, le saxophone,
la trompette, le trombone, la clarinette et le piano. Ce genre mobilise cependant un grand nombre d'instruments différents, dont la guitare, la batterie et la contrebasse. De quel genre musical s'agit-il, s'il vous plaît? Surveillez-vous, public. Est-ce qu'on veut répondre de ce côté? Non. Assez facile. C'est quoi, public? C'est le jazz. C'est le jazz. Voilà. Question pour vous, questions à risque pour vous. Il faudra être attentif parce que je ne vais pas reprendre la question. C'est un courant artistique apparu au début du siècle en Europe du Nord, particulièrement en Allemagne. Il a touché de multiples domaines artistiques, la peinture, l'architecture, la littérature, le théâtre, le cinéma, la musique, la danse. Ce courant artistique fut condamné par le régime nazi qui le considérait comme un art dégénéré. Il est la projection d'une subjectivité qui tend à déformer la réalité pour inspirer au spectateur une réaction émotionnelle. Les représentations sont souvent fondées sur des visions angoissantes, déformant et stylisant la réalité pour atteindre la plus grande intensité expressive. Celles-ci sont le reflet de la vision pessimiste que les principaux tenants de ce mouvement ont de leur époque, hantée par la menace de la Première Guerre mondiale. Les œuvres mettent souvent en scène des symboles influencés par la psychanalyse naissante et les recherches du symbolisme. Les principales figures de ce courant artistique sont Edvard Munch, Gabriel Munter, Vassili Kandinsky, August Mack. De quoi parle-t-on? Voilà, le dernier son du gong. Les 10 secondes imparties sont écoulées. Est-ce que l'équipe adverse voudrait tenter quelque chose? Le futurisme. Malheureusement. C'était plutôt... Ben, il a joué le tout pour le tout. Il a risqué. C'était l'expressionnisme. L'expressionnisme. Voilà. Voilà. Merci, public. Merci. Merci, public. Merci, public. Merci. C'est le moment de boucler la boucle, mais nous ne partirons pas avant de vous communiquer les résultats. S'il vous plaît, public, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Donc, nous allons revenir après la pause, téléspectateurs, mais entre-temps, pourquoi ne pas saluer, s'il vous plaît, restez là. Pourquoi ne pas saluer nos partenaires sur table, hein, sur table qui est avec nous cette année. Nous saluons également la World Vision, nous saluons Mode 31, nous saluons Lona, et Crazy Store qui se trouve au 271 avenue John Brown, Lalu. Restez sur la 8, nous revenons après la pause. Pour assurer la sécurité ou pour faciliter les transactions que vous faites sans être chargé, mais en simple principe pour respecter le prêt à faire transaction à la banque. Ou lui assurer valise ou paquet matériel qui can nuit sécurité l'autre monde. Ou lui fermer un téléphone. Casquette à clinette, c'est quelque instrument qui interdit en abacio. Ou de remettre zamou, nan tiwa qui l'a pour ça, à qui on pièce identité. Responsable banque qui passe l'ordre, aucun employé de la banque n'a pas le droit d'utiliser le téléphone dans le moment de service. Mais plus bonne façon de comporter pendant le déroulement d'opération. Vous devez assurer que personne n'a pas d'informations sur fiche ou rempli pour les transactions. Peu
personne pas de chercher qu'on ait information sur transaction à l'autre fait. Underbuck yo, ou pas autorisé utiliser téléphone ni pour parler. Hello? Ni pour texte. Respecter le principe sa yo, c'est une garantie pour sécurité yo, et pour faciliter la banque, by pivot service dans l'intérêt citoyen yo. Message ça, rentrer dans le cadre de travail, Commission Justice, Sécurité et Défense Nationale, Sénat République là, dans tête collée avec Télévision Nationale d'Haïti. Fêtez ce moment nous tous très bien partagé. C'est le moment pour nous amuser. Toute responsable décision n'a pris pas d'un affaité. Si vous avez pas conduit. Si vous avez conduit, pas boire. On ne suspend mauvaise habitude, ça y est, n'a pas conduit. C'est un message, Radio-Télévision Nationale d'Haïti, Axum Entertainment. Voilà. Nous sommes dans les demi-finales et là vous venez d'assister à un très beau match, une très belle rencontre entre le collège Catherine Flon et l'institution Saint-Louis de Gonzague. Donc un match assez serré, un match assez disputé des deux côtés. Donc il est venu le moment de publier les résultats de cette rencontre. L'équipe gagnante passera en finale. Donc nous allons savoir selon, nous allons connaître l'équipe qui a gagné la rencontre de ce soir. Sur l'ensemble du match, le collège Catherine Flon a totalisé 380 plus 30. Je vous demande d'applaudir le collège Catherine Flon, s'il vous plaît. Et pour le score de Saint-Louis de Gonzague, voilà, c'est 460. Saint-Louis de Gonzague a remporté ce match contre le collège Catherine Flon. Voilà, merci téléspectateurs, téléspectatrices de nous avoir suivis. Donc le moment fair play, s'il vous plaît. On passe au moment fair play entre le collège Catherine Flon et l'institution Saint-Louis de Gonzague. Voilà, vous vous saluez, s'il vous plaît. Vous vous saluez, hein? Vous saluez. Merci téléspectateurs. Nous sommes dans les demi-finales. Donc l'équipe qui passe en finale, c'est l'institution Saint-Louis de Gonzague avec 460 points et le collège Catherine Flon, 380 plus 30. Merci d'avoir suivi ce numéro de Télégénie. Donc, ça va être la deuxième. Prochainement, vous allez suivre la deuxième demi-finale de la saison 2018 de Télégénie. Nous saluons encore une fois nos partenaires sur table, World Vision, ONA, Mode 31 et Crazy Store. Nous allons devoir prendre congé de vous, téléspectateurs. Nous vous retrouvons pour une nouvelle aventure à Télégénie version 2018. Restez sur la 8.